Bon, que pourrais-je faire aujourd'hui? Allez, allons au Panthéon de la TNT. Ah, mes belles créations. C'est magnifique comme endroit. Avec ses vaches dans les prés. Waouh. Le canon, mon dernier canon. Mon invention. Le canon sniper. Bonjour tout le monde, ici et aujourd'hui nous allons faire le canon sniper. Donc je vous présente ce fabuleux canon. Il me reste des balles, oui, je l'avais gardé chargé parce qu'il est super long à charger cette arme. Et elle tire à des kilomètres de distance. C'est l'arme la plus folle du monde. Donc avec son canon, on glace de 45 mm. Boum! Oh, il est pas... Ça, il tentait pas d'aller plus loin aujourd'hui. Ok. Ok, comme tu veux. Des fois, il tire un peu moins loin. Ça arrive. Mais d'habitude, il tire vraiment à la distance là-bas, que vous voyez. D'habitude, il y a une TNT qui tombe là, puis une là-bas. Puisque ça tire deux à la fois. Ah, ça a tiré là-bas. Cette fois-ci, on a vu le petit... espèce de... Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que voilà, regardez, ça fait boum. Pile au même endroit. Ok, ok. Donc, allez, un petit dernier tir pour le lol. Feu! Les TNT sont tombés là-bas. Ok, donc voilà, ça marche à demi. Mais pour de vrai, c'est vraiment un canon puissant. D'habitude, je sais pas pourquoi là, il tombe là, mais d'habitude, il tombe vraiment tout le temps à l'autre bout. Et donc, je vais vous apprendre aujourd'hui à le construire. Parce que c'est très, très, très simple. Et c'est la demande d'un de mes amis qui était comme « Je veux un canon sniper ». Bon, là, je vais faire la belle petite base, en fait. Vous n'avez pas besoin de faire ça, c'est juste pour mon design personnel. Voilà. Fait que moi, je vais faire mon petit design personnel. J'ai dit. Moi, chier. Ici. Tac, tac, tac. Ok, bon. La bonne hauteur, c'est ça, à peu près 3 blocs du sol. Ensuite, vous pouvez aller avec vos petits trucs bien tranquilles. Ok, ça, on n'a pas besoin de le faire. Et ça, ouais, 4 blocs, ouais, c'est ça. Ok, bon, maintenant on place l'hydropère. Et lui, il en faut un de plus au sol, ouais, comme ça. Ensuite, on va aller chercher nos dispensers sur les côtés, comme ça. Tac, pas au complet, tac, 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 tac. Ok, une fois que ceci est fait, vous allez mettre un dispenser loin. Ok, parfait, nous avons déjà fait la caisse, hein, ça va très vite. Une fois que ceci est fait, vous remplissez toute de redstone dans même. Et une ici. Ok, une fois que ceci est fait, vous allez aussi mettre des blocs pour favoriser la conductibilité de votre redstone sur le dessus. Une fois que ceci est fait aussi, vous allez tout simplement prendre un bloc, les blocs normaux. Attends, je vais regarder mon chemin, c'est un petit bout que je l'ai pas fait en fait. L'épicelle, j'aurais dû le tourner plus tôt, mais pas le temps. Beaucoup d'études, de devoirs. Donc, des cas, c'est important. Hein. Tac, ensuite on met de la redstone. Non, comme ça. Ensuite, c'était un courant sur le côté. Bam, j'ai dit, merci. Je passe près. Je passe proche. J'ai accroché la touche, puis je tombe direct dessus. Ok. Et ça sera jusqu'en avant avec un bloc plein pour favoriser, pas favoriser, mais bien rendre la conductibilité. Ok, ils sont tout à 3. Tac. Un peu comme les canons, tout à fait normaux. fait, on a comme déjà terminé. Presque, en fait. Ce qui nous manque, c'est ça. Et ça. Ça. Voilà. Donc, pourquoi la plaque en métal? En fait, c'est juste pour bloquer la, le courant. Puis, de cette façon-là, ben, c'est bon. Fait que, puis, c'est une plaque qui demande quand même un bon poids dessus pour être actionnée. Fait que cette plaque-là bloque l'eau et qu'elle est stylée avec le Canon. Bon, on va prendre celle-là. Parce qu'il faut une plaque. Puis il faut celle-là en particulier. Si vous mettez une plaque en bas, c'est le bordel. Ok, là ensuite l'étape c'est quoi, charger. Donc on va charger l'arme fatale. Donc il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Oups, un instant, je reviens. Désolé de cette courte interruption au cours de la vidéo. C'est parce que j'ai fait une petite erreur dans le Canon. En fait, c'est pas une erreur, c'est une erreur. Ben oui, c'est une erreur. Ouais. Je sais pas comment dire. Bon, c'est une erreur. Et on n'ira pas plus loin. Donc, ces deux droppers-là ne tiraient pas de TNT. Ainsi que lui. Lui, il va me rester à voir. Donc, celui-là, je vais le faire tout de suite devant vous, je crois. Donc, si je le fais comme j'ai oublié de le faire, désolé. Ça va pas être long. Bam. Ouais, de même. Bam, 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 bam. Voilà. C'est ça que je voulais faire, donc. Ça sectionne pas, ok. Parfait, parfait. Pourquoi ça sectionne? Ah, ça tire. Ça tire plus. What happened? Pourquoi il a tiré de bon? Ok, petit truc de con. On comprend pas, c'est pas grave. On va compléter la marche ici. Voilà. Ok. Et lui, il reste plein. Voilà, ce joulet. Non! J'ai peur, man. Lag. Ok, donc voilà, petite amélioration. Excusez-moi, j'ai accroché le pad de mon laptop. Donc voilà, petite amélioration. Un petit chemin ici, qui part d'ici, et qui vient relier les deux droppers ici, pour que ça s'actionne comme du monde. Et ensuite, nous avons le circuit ici qui vient actionner le dernier dropper qui ne tirait pas de TNT. De cette façon-là, je vais le tester. Donc, ça devrait tirer... Putain, je suis long et maladroit. Plein de TNT. Je vous laisse 2 secondes. C'est bon, donc j'ai terminé. Nous allons pouvoir maintenant effectuer le tir fracticide. Fire in the hole. Ça va être violent. Ouh, ça tire loin hein, d'une shot. Et maintenant, si je fais le tube de verre, on va voir que ça donne. Tube, pas classe, classe compacted. Ouais, voilà, merci beaucoup. Fire. Bon, ça change pas grand chose en fait sur la puissance de feu. Dommage. Bon, en tout cas, voilà, c'était la courte amélioration qui permet d'utiliser toutes vos TNT sans en gaspiller et qui devrait en principe permettre de tirer. Mais là, bon, ça tentait pas aujourd'hui. Ok. Donc voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo et remercie et re-bonne journée.